Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers. Hamilton, Bottas et Charles Leclerc. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bienvenue sur le circuit international de Bahreïn. Les pilotes sont sur le point de prendre la piste et le Grand Prix pourra alors commencer. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on répare. Il ne
disponible. Tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède. Vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Sur nos prévisions, il va falloir brûler du carburant. Thank you.
contre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. L'écart avec notre coéquipier est de 2,3 secondes. Sujet des pneus. Pour l'instant, ils ont l'air d'aller, mais ils montrent des signes d'usure. Si ce n'est pas déjà le cas, tu risques de t'en apercevoir sous peu. Fais attention. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. C'est bon, tu peux partir. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Charles va s'arrêter. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium.
Quelques infos au sujet de Grosjean. Ils abandonnent la course. Hamilton est devant. Passe au mélange 3 pour régler ça. Mélange 3. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,5 secondes.
nous avons près de 4 tours de carburant. Récupère un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes.
Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Ah, ça ne peut être qu'Alexander Albon, sans hésitation. Il a été plus qu'à la hauteur aujourd'hui. Il vient de renforcer encore un peu plus sa réputation grandissante. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison.